Bonsoir. Amis du soir, bonsoir. Alors, attendez, moi je vais vite fait paramétrer tout ça. Voilà. On retire la pub. Zuber. Et youpla boum. Salut Anthony, salut Laura, salut Ali, salut Host, salut Yves. Bien ou bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Logiquement, oui. J'ai bien dit logiquement. Salut Anthony. Alors, il y a Anthony 73 et Anthony Paco. Donc là, les pseudos, ça va être à fond. De bout en bout. Salut Stéphane. Salut Monsieur Baba. Salut Itachika. Salut Christopher. Salut Steven. N'oubliez pas le petit like. Je vois que le nombre de viewers monte, mais pas les likes. Salut Gauthier. Salut Rico. C'est bien. Eh oui, il faut liker. Vous savez très bien que vous allez passer un bon moment. Pourquoi vous n'y pensez pas? Voyons. Donc là, au vu des images, hein, vous savez très bien qu'on ne fera pas Pokémon. Aujourd'hui, on va faire du vroom vroom. Vroom vroom. On va continuer ce qu'on avait commencé dans la découverte. Et puis voilà, on va se faire un avis par rapport à tout ça au niveau de la carrière. Un petit peu comment c'est géré, on va voir les circuits. Les graphismes, les conditions climatiques. À la base, je devais vous faire une autre VOD de ce jeu, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Et comme le jeu sort demain, officiellement, je me suis dit, allez, un petit live sur la carrière, le lundi soir, histoire 2. Pour ceux qui voudraient se donner un avis, ou en tout cas avoir un peu plus de concret pour se dire, oui, non, non, oui. Salut gaming. Bon, on va attendre encore, ouais, ouais. On va attendre jusqu'à 20. Et ensuite, zoom à poule. T'es le meilleur. J'ai jamais arrêté de regarder tes vidéos. Merci mon gars. Salut Aurélien Hic. Attends, du coup là, ouais non, c'est bon. C'est good, very, very good. Ouais, ouais, c'est ça, il faut aller dans la course. On verra ça tout à l'heure. On va pas se précipiter, on ne va pas aller plus vite que la musique. 3 de voir la suite de ce jeu. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la carrière. Si c'est bien ou pas. Salut Soomer et Hunter. Salut Reg. Allez, encore une minute et après on lance la carrière. Toujours, hein, toujours les 5 minutes d'attente. Moi je m'étais mis en mode... je m'affale comme une merde sur mon fauteuil, mais en fait je vais plutôt... Hop, me redresser. Je vais me redresser pour être un peu mieux à fond dans le truc. Allez. 21h19. 21h19 toujours. 21h19 encore. Allez, 21h20. Mets-toi à 20. Au moins, cette voiture-là, vous l'aurez vue sous toutes ses coutures. Dans tout. Enfin. Sur tout plein d'angles différents. Ça y est, il est 21h20. On peut lancer officiellement
ce live sur Forza Motorsport 8, aka Forza Motorsport, version 2023, une espèce de simili reboot. Et donc ouais, dans la découverte hein, que je vous avais proposée, le jeu nous avait imposé de base hein, à nous lancer dans une espèce de carrière didacticielle. Là maintenant, on va faire de la vraie carrière. Alors, le seul truc que j'ai envie de voir, c'est pas la boutique hein, course. Je voudrais bien voir où c'est que se trouve. Ah, là-haut. Ici, on a des messages. Donc là, j'ai pas de cadeau. Là, on a des messages de turn 10. Ok, d'accord. Si je vais là. Ouais, mais non. On va partir sur course. On va partir sur carrière. Et ensuite... introduction, on l'a déjà fait. Et donc là, ouais, c'est ça. Il faut choisir. Il faut choisir une épreuve. On va commencer par Modern Tour. Et on va commencer par ce qui est là. Performance pratique. Laguna Seca. Alors, est-ce qu'on va devoir acheter un véhicule? Va savoir. Les voitures à haillons modernes ont évolué pour devenir de sérieuses armes sur route et circuit. Grande maniabilité, puissance d'arrêt incroyable, réponse turbo instantanée. Et pourtant, elles conservent leur conception pratique et leur chargement substantiel. Les constructeurs compétitifs ont toujours intégré une ingénierie de pointe pour un ensemble rapide et maniable dont on aime repousser les limites. Et avec les améliorations disponibles, les conducteurs élaboreront des stratégies pour en tirer plus de performance et de plaisir. Ouais, je pense, Reg. C'est ce que j'ai pensé intérieurement, en mon moi intérieur. Donc là, on va faire comme dans la découverte. On va écouter un peu l'histoire de chaque véhicule. Ah ben non, en fait. Attends, ça c'est mes voitures. Mes voitures. J'ai deux voitures. J'ai deux voitures. J'ai la Hyundai de 2019 et j'ai la Volvo de 2021. Pas la Volvo, la Volkswagen Golf R. Ouais, non, mais en fait, on va acheter une voiture. Alors, on a quoi? J'ai combien de pognon? J'ai 640 000. Qu'est-ce qu'on a? On a une Audi de 2011, une Focus de 2009, Hyundai que j'ai déjà. Ah ouais, là, c'est... une version bah, Forza Edition, là c'est normal. On a une Mini Cooper de 2012, une Mégane RS de 2018. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne sais pas. 488. 488. Je pense que je vais prendre un véhicule que j'ai déjà. Hein. Vous préférez quoi? La Hyundai? Vous préférez la Hyundai ou la Golf? Dans le chat. Salut Mathieu. Du coup, salut à toi LR. Hein, je sais pas, je crois pas que je t'ai dit bonsoir. Salut Frédéric. Là vraiment, dites-moi. Éventuellement. Salut Bobby. Salut Manolo. Donc là, j'ai qui? Alors j'ai Anthony qui me dit golf. Manolo qui me dit golf. Anthony golf. Non mais j'ai pas la Audi, il faut que j'achète. Je vais pas encore acheter une Audi, je vais acheter... voilà, j'ai déjà deux véhicules. J'ai deux véhicules en ma possession qui correspondent à l'activité. On va prendre les véhicules déjà disponibles. On va pas s'acheter un troisième véhicule, ce serait voilà, inutile. Salut The Zappo Rogue. Golf... bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Heureusement que j'ai dit, vous choisissez quoi entre la Hyundai et la Golf hein. Bon, tout le monde me dit la Golf, je prends la Golf. Choisir la voiture. Vous posez... Non, choisir la voiture. Voilà. J'ai cette voiture-là, on prend celle-ci. Merci. Continuez. Performance, réglage, non mais on s'en fout. Apparemment dans le chat, il y a des gros fans de golf.
Il y a quasiment personne qui m'a dit de prendre. Je crois qu'il y a personne qui m'a dit de prendre la Hyundai. Attends, je remonte. Il y a personne qui m'a dit prends la Hyundai. Tout le monde, à 90%, m'a dit prends la Golf. Ils mesurent le volume du bruit des voitures et veulent qu'il soit inférieur à 92 décibels. Mais aujourd'hui, nous avons la permission de faire autant de bruit que nous le voulons. Alors attends. Si je vais dans paramètres... Mais attends, mais j'avais haussé les voix. J'ai l'impression que la dame, on l'entend à peine. ATH. Attends, le chat vocal, la musique. On va peut-être baisser la musique éventuellement. La voix off. Bah la voix, elle est à 100%, faut pas déconner. Attends, je vais un peu baisser tout ça là parce que... La dame, on va pas l'entendre parler. Tac, je suis désolé, hein, je fais ça avec vous. Ça dure pas très longtemps. Soyez patient, la patience est une vertu. Ok, sauvegarder. Et c'est parti pour les essais. On est obligé de faire les essais. Hein. T'aimes pas les golfs, mais c'est une valeur sûre. Ouais, t'as pas tort. Salut, on rigole. On rigole. Oh, le jeu de mots. Doucement. Ah ! Oui, oui, j'ai vu que j'étais en hors-piste. Alors par contre, wow, ça va être tant d'axe. Hein. C'est quoi la vue? C'est ça. J'ai un peu trop freiné. Attends, je vais mettre en vue cockpit, la vue cockpit qui est bien meilleure quand même, faut pas déconner, surtout que là je dois faire en 1,53. Il vaut quoi le jeu? Bah écoute, on a fait une découverte il y a quelques jours, c'était plutôt pas mal, c'était sympatoche. Là on testouille la carrière. Golf, c'est plus facile à écrire, ouais, t'as pas tort. Hors piste, c'est super. C'est ça le truc, hein, c'est de la concentration à tous les niveaux. T'essayes de prendre les meilleurs virages possibles. Et hélas, là, ouais, pas terrible. Tu le trouves très bien. Wow. Ça crisse, hein. Ok. C'est quoi ta caisse? Tu vas... Ah, c'est ça ton pseudo? C'est quoi ta caisse? Tu vas prendre tous les trous avec la Golf? Non. Je pensais que la phrase c'était ton pseudo. Enfin, je pensais pas que le début c'était ton pseudo. Ça m'a perturbé. Bon, hey, vous avez vu un peu mon chrono? Vous avez vu le chrono? Il fallait faire de moins une. Il fallait faire, ouais, 1,53. Moins de 1,53,28. J'ai fait 1,53,172. Et c'était vraiment hyper limite, hein. Un petit chouïa en plus et c'était foutu. Enfin foutu. On a 3 tours. Oh merde, attends, faut que je freine. Attends, mais j'étais en train de me gratter le nez. Mais merde, à chaque fois je... Mais mince.
Pourquoi je fais du hors-piste à chaque fois que je prends ce virage ? Loul ! Wow. Voilà. Ouais, il sort cette nuit. Il sort à minuit ou à minuit une ou peut-être à 1h du matin, je sais pas. Si quelqu'un le sait, bah qu'il le dise dans le chat. Comme ça, s'il y a des gens qui se posent la question, bah ils auront la réponse. Salut Flo! Je répète pour les gens du fond de la classe, hein, surtout si c'est pas déjà fait, hein, et si vous en avez l'envie, mais vous avez l'envie, hein, c'est juste que vous avez oublié, le petit like. Hop! Bah, j'ai dit, ouais, le jeu sera disponible dans le Game Pass ce soir, à minuit, 1h, je sais pas. C'est pas terrible ce que je fais en chrono. Hein. Pam 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 pam. Doucement. Ok. Là, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Hop là! Pas de hors-piste! Tourne, 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 tourne! Ouais! Pas de hors-piste! C'était limite encore une fois. Non, j'ai fait du hors-piste à la fin. Mais quel con. Quel boulet. Bon, c'est pas grave. J'ai fait ce qui était demandé en bonus. Voilà, moins d'une 53-28. J'ai fait mes 3 tours. C'est good. Là. Oh, il est terminé. Ça va, elle a pas pris trop cher. Salut, c'est qui? C'est qui? Eh, c'est qui? Salut à toi, c'est qui? Accéder à la course. Donc là, on va se mettre 8e. On se met un peu de challenge. Chauffeur, si t'es un champion, appuie sur le champignon. Bip, bip. Passer. Le carburant schlack. On a combien de tours? On a 4 tours. Je vais mettre 7 tours. Tac. Passer à la course. Mais. Salut Joe. J'espère que je vais gérer. Ah! Et avance toi. Oh, ça fait n'importe quoi. Pousse-toi. Toujours 8e.
Ouais, les deux premiers, ils sont partis, mais tellement loin. Ah, les fumiers. Hé, te rabats pas sur moi, toi. Ouais, ça va être compliqué de les rattraper, hein. Quoique... À fond. Merci, Zaporog. Ah là là, et le premier, il est parti loin. Où c'est que je vais? Troisième, bientôt deuxième. Elodie, laisse-moi passer. Super. Deuxième. Et quand même, hein, il a fallu 3 tours pour que je passe 8e, de 8e à 2e. Hein. Mais t'inquiète, j'ai pris assez de carburant. Hein. Là, il fallait... la course, elle est en 4 tours. J'ai pris 7 tours de carburant. Donc là, je suis bien. Salut Fabrice! Aïe. J'ai essayé de prendre le virage un peu rapido, c'est... ouais, non. Ça va, le son du jeu n'est pas trop fort? Vous m'entendez bien quand je parle? Ah, j'ai eu un avertissement, d'accord, ok. Nickel. Bon bah c'est nickel alors. Si c'est nickel pour vous, c'est nickel pour moi. Plus qu'un tour. Je sais, j'ai des yeux.
Non, mais je vais pas réussir à rattraper le premier. Hein. Je pense que tout à l'heure, on se mettra à la 6ème place. Ou 7ème. Ouais, 7ème place, ouais. Ouais, franchement, les meilleures vues pour moi, c'est la vue capot et la vue cockpit. La vue troisième personne, c'est pour moi la moins bonne. Parce qu'en termes de sensation, c'est celle qui en donne le moins. Par contre, elle est nickel pour vous qui regardez. Pour regarder le décor, notamment. Et pour profiter de la modélisation des véhicules. Mais quand tu joues, quand tu pilotes, il est... préférable de se mettre en vue cockpit, vue capot, voire vue phare. La vue phare aussi elle est bien. Je pense que j'aurais eu encore un tour, ça aurait été nickel. Deuxième et devant, c'est cadeau panique 0. Ok, donc lui il a pris l'Astra 12, ouais. On va voir un petit peu ce qu'on va avoir pour le prochain circuit. Pas mal la Audi. Bah, je vous avouerai que moi je préfère en design la Audi. Donc là on passe 24 450 crédits gagnés. Suivant, ok d'accord. 35 000, pas mal. Tac, continuez. Donc là si je fais performance, je fais amélioration rapide. Je passe de 8 à 3,7, de 2,6, de 2,8 en freinage, ouais, vas-y, je confirme. Ok, c'est bien. Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde ! J'ai fait B, une fois B de trop. Continuez. Là, continuez. Moi, en fait, c'est ça qui me saoule un peu, c'est que... on est obligé de faire les essais. Tu vois, moi, un tour d'essai, ça me suffit. Hein. J'ai pas besoin d'en faire trois. Hein. Commencez. Un peu de brume là, non? Ok, nouveau record, bah c'est normal, on vient d'arriver. Salut Ricardo! Attendez, je baisse un peu le volume dans mon casque parce que là, je m'entends à peine parler. Voilà. J'ai vu une vidéo apparemment, si tu fais start, tu peux quitter les essais. Ah ouais, on peut faire quitter là, ouais, mais après...
Je sais pas s'il y a un impact vis-à-vis du truc. Vas-y, on va changer la vue. Allez, à fond. J'aime bien le fait qu'il y ait, tu sais, un peu de conditions climatiques. Ouais, aïe, 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 aïe. Allez, attends, on fait un petit coup de rewind. Salut, Alain. Je suis désolé, hein, j'en fais pas beaucoup, mais... C'est juste là que j'étais en train de lire, et puis du coup, j'ai mal pris mon virage. Merci, Ricardo. Ah, vous êtes des crèmes. Merci pour le soutien financier. Surtout que voilà, vous savez un petit peu ma situation à moi. Tout don est bon à prendre. Doucement, doucement. Super. Wow, wow, wow. Donc là, ouais, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Là, il fallait faire moins de 1,0779. Moi, j'ai fait 1,04952. Merde, j'ai regardé le truc. J'ai regardé ta phrase en rigole. Non, parce que regardez bien. Regardez bien. Quelle est l'unité de la voiture? Tu me disais que ça correspond pas. Pourquoi? Le premier qui gagne a gagné. J'attends. J'attends. Salut Plymouth! Qui c'est qui va dire la bonne réponse en premier? Merci Reg. Eh oui. C'est parce que ma voiture est en miles par heure. Miles par heure. Alors que... La voiture, enfin le compteur, j'ai du mal. Ah merde, non, c'est vrai, j'avais fait un rewind à la base, excuse-moi. Mon compteur, il est en kilomètres heure, mais ma voiture est en miles par heure. Je suis en train de m'embrouiller tout seul. Pas mieux par rapport à tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais pas le pousser. J'avais pas fait gaffe que j'avais fait les 3 tours. Quel con. Quelle nouille. Bah écoute, oui, moi je vais bien, Plymouth. Je joue à un bon jeu, vous êtes avec moi. Y'a des gens qui me donnent des sous. Que demande le peuple? Franchement. On va se mettre 7ème. Je suis désolé, hein, je regarde tous les midis la petite maison dans la prairie, donc forcément j'ai la musique dans la tête.
Carburant. Là, j'ai 18 tours. Et il y a 6 tours. Ah, il y a 6 tours à faire. Attends, alors du coup, je vais mettre 10 tours. Voilà. Voilà, 24%. On voit large. On voit très large. On va peut-être changer la vue. Et c'est parti! Attention, mesdames et messieurs. Hé! Hey oh, comment il a voulu s'insérer, le gars, là? C'est moi qui passe! Pousse-toi! Voilà. Le deuxième est de... Non, le premier est devant moi. Ouais, l'IA là, chaud patate, hein. Et en fait, le truc qui est chiant, c'est que t'as vu le premier, comment il se détache des autres. Comment ça se fait qu'il n'y a que lui qui est chaud patate. Pourquoi il n'y a pas deux, trois autres chaud patates qui se mettraient à son niveau pour essayer de... Qui c'est qui va prendre la première place. Allez, on fonce. Oui. Merde. Freinage. Dans ton cul. Salut Geoffrey. Mince. Là c'était pas un hors-piste. J'ai roulé dans la pelouse et c'était pas un hors-piste. Bizarre. Donc là on est à 3 sur 6, bientôt 4ème tour. Il reste 3 tours. Merci. Mince! Ah, oh, excusez-moi, j'étais en train de te lire, Edge. Je voyais que tu écrivais limite. J'ai dit pourquoi limite? Et boum! Oh! Good. Ouais, t'inquiète pas, j'avais compris, c'était juste sur l'instant. C'était limite, puis après je me suis dit, attends, limite pourquoi? Après je me suis souvenu, mais il était trop tard, j'étais déjà parti en mode bye bye la piste, bonjour le hors-piste. Thank you.
voilà, voilà. Yeah, leur piste, non. Heureusement qu'elles freinent bien. Bah tu sais, Playmousse, hein, ce n'est qu'une formalité, hein. C'est tout le talent qui se manifeste en live, hein, tout simplement. Bonne nuit Anthony 73. Dernier tour. On essaye de maintenir la première place, mais ça va pas être difficile. Quoique, hein, tu vois, il y a un mec derrière là. Si je fais une connerie, attention. Bon, non, en vrai, même si je fais une connerie, il y a le rewind. Parce que je suis un tricheur. Et à fond. Ben voilà, une autre victoire pour Kenar VC. C'était pas mal du tout. T'as vu ça? P1. P1. Je suis à 53 points au total. Le deuxième, 40 points. Après, 37, 35. Ouais, non, mais je suis très bien. Je pourrais même m'autoriser à partir 10e. On va pas regarder, hein, c'est bon, on sait très bien que je suis un putain de bon joueur, lol. Tac, j'accepte tout. Continuez. Et là, j'ai combien? J'ai 750. Ah non, utiliser, d'accord. Bah, je vais juste faire continuer comme ça. On va pas améliorer la voiture. On passe au circuit, je sais pas c'est lequel. Watkins, tout à fait. Là, on a un petit temps de merde. Ici, au Glen, la clé du succès est une vitesse constante dans toutes les séquences de virages possibles. Trouve ton rythme et tu seras rapide. D'accord. Ah, il pleut ? C'est moi ou il pleut ? Craché, non? Oh! Je crois que ouais, le temps est un peu humide. Première fois qu'on voit ça. Première fois qu'on pilote. Oh ouais! On fait un tour en vue troisième personne. On fait le deuxième tour en vue cockpit. Et le troisième tour, on le fera en vue capot. On va faire comme ça maintenant. Rattrape, on prend la spi. La spi. Merde, ça freine.
Ralentis, mec. Ok. Boum. Bon, ça va encore, hein. Ça passe bien, le fait de jouer à la troisième personne. Hein. Bah, c'est pas pour cracher sur la concurrence, hein. Mais la vue troisième personne de GT7, elle est nulle à chier. Mais là, dans ce jeu, ça va. Elle est pas, c'est pas qu'elle est nulle à chier, c'est que t'as vraiment zéro sensation. T'as vraiment l'impression que la voiture, elle est sur une liaison pivot. Là, non. Là la sensation n'est pas similaire. Et fort heureusement. Vu qu'il fallait faire moins de 1,32,74, j'ai fait 1,28,915. J'ai hâte de faire des courses avec de la grosse pluie. Tiens, Reg, ou même vous autres qui me regardez, est-ce que vous savez s'il y a encore le système de flaque d'eau au sol quand il pleut? Hop là. Ils ont retiré les flaques d'eau au sol. Ah ouais. Ah c'est nul ça. Parce que franchement c'était vachement bien fait, hein. Ouais, il y avait même des flaques d'eau, il fallait les éviter parce que sinon tu faisais de l'aquaplaning et tout. C'était excellent ça. Et ils ont justifié pourquoi ils l'ont retiré. Ils ont pas dit. Ok. C'est dommage. Franchement. Ouais, Forza 7, t'es vraiment très bien. C'est la faute à la série S. Pas trop. Eh, attention, Reg, hein, faut pas trop critiquer la série S. Hein. On tape pas sur les handicapés. Hein. Tac. Allez, c'est finish. On a fait nos 3 tours. Est-ce qu'on va avoir le même temps de merde pour la course? Ou est-ce qu'on va avoir du beau temps? Ou peut-être pire, du mauvais temps, genre grosse averse. Attends, mais j'ai l'impression qu'il fait plus nuit, non? On va se mettre 7ème. Maintenant, c'est de l'eau classique tout le long, car sur Forza 7, cela faisait ralentir les voitures. Oui, bah, ouais, normal, quoi. Carburant, on est à 5 tours, donc du coup, on va mettre 8 tours. Voilà. Terminé. Passer à la course. Ouais, comme tu dis Stéphane, des orages, de la grosse pluie quoi.
Waouh! Il est chaud ce Drivatar, et tout à l'heure aussi il avait fait le fou. J'ai l'impression que ce Drivatar, ouais, il est chaud patate, hein. Il a pas le temps il a pas le temps à perdre dans les virages. J'ai rayé la caisse, mec. Je sais que la vue troisième personne, c'est pas les meilleures vues sur ces jeux-là, mais c'est juste pour diversifier les points de vue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait un peu de vue à la troisième personne, un peu de vue en vue cockpit et un peu en vue capot. Deuxième tour, on change de vue. Où c'est que je vais? Où c'est que je vais? On va dire que maintenant les pistes ont une technologie qui évacue les flaques d'eau, quoi. Va pas trop loin. Et c'est encore la Mini qui est devant, quoi. La pluie et les orages étaient mieux faits sur Forza 7, ah ouais? Ils ont chié dans la colle. Trop de joueurs râlent sur ça. Ah ouais, les flaques d'eau, ça ralentisse les véhicules. Plus que 3 tours. Et moi je peux pas dire ce qu'il en est de l'averse, vu que j'ai pas encore fait de course sous averse, enfin grosse averse ou tempête orage. On verra ça tout à l'heure peut-être, hein. Voilà, je t'ai doublé mon gars. Et voilà. Et je commence à avoir un bon feeling avec le gameplay. Dans la découverte, c'était pas encore ça. C'était un peu mitigé. Mais là, ça passe mieux. Après, tout le monde peut ne pas apprécier le fait d'avoir des flaques d'eau, hein. Je suis convaincu que les gens qui refusent d'avoir des flaques d'eau dans ce jeu, ce sont ceux qui ont perdu plein de courses dans FM7 à cause d'une flaque d'eau. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, dans FM7. Je crois qu'à l'époque, je jouais à FM7 sans rewind. Et il m'est arrivé de perdre le contrôle de mon véhicule et de perdre la course à cause d'une flaque d'eau.
pas mal fait là, cette impression de, d'humidité au niveau du sol. Ah, j'ai reçu un message, attendez. Parce que j'ai un truc de prévu demain. Attends. Tac. C'est bon. Allez, 3, 2, 1, on reprend. Ah mais merde, attends, j'ai reçu des messages tout le temps. Voilà, c'est bon. 3, 2, 1. T'as l'impression que t'as un petit vent. Ou alors c'est les phares qui font ça? Ah non, mais c'est les phares qui éclaircissent les gouttelettes d'eau. Enfin, je pensais que c'était le vent qui poussait la flotte. C'est peut-être les deux, hein. L'eau sera toujours comme ça. Ah ouais, même dans les grosses averses. Ah ouais, c'est nul ça par contre. C'est le dernier tour. Je sais pas combien il y a de courses dans ce championnat. Y a quelqu'un qui a fait gaffe? Salut Sylvain. Ouais ouais, il est bien le jeu. Pas trop la différence de pluie, ouais, bah ça, si c'est ça, ouais, non, c'est pas cool. 5 ou 6. Beau travail sur la piste. Merci. Nous avons terminé P1. Ouais, bah ça, je sais. 81 points. On domine la course, hein, enfin le championnat. Tu vas refaire du The Crew Motorfest? Oui, mais alors quand? Je ne sais pas. Faut que j'arrive à trouver le temps en fait. Peut-être demain. On est quel jour? Demain on est mardi, donc pas demain. Je sais pas, peut-être jeudi. On va savoir. Donc là j'accepte tout. Continuer. Disponible 850. Performance, qu'est-ce que je peux faire à ce prix là? 3-1, 3-9, 2-6, 2... Ouais, d'accord, ok. Allez, on prend ça, on confirme. Hop. Continuez. Ah, c'est écrit? Merde, j'ai pas fait gaffe. Ah, du beau temps. Enfin, il y a des nuages. On dirait un crépuscule, un coucher de soleil. Ah, ça peut rendre bien graphiquement. Dans le dernier virage. Non, t'inquiète pas. Zappo. À gauche pour la transition sur le virage en plan incliné afin d'éviter de déstabiliser la voiture. Mi
en fait, un championnat, ça dure facile 1h15, 1h30, hein. 1h20. Joli! Ça va rendre mieux en vue cockpit. Non, c'est par là, c'est par là! Voilà, il faut que je fasse moins de 1,47,91. Ok. On va vérifier tout ça. Avec le petit soleil sur la droite. Matez-moi ça, comment c'est joli! Ça se fait qu'on n'a pas fait un tour. Ah, c'est là. D'accord. Et j'ai fait 1,46. D'accord, super. Apparemment, ouais, c'est prévu qu'ils rajoutent des circuits, mais j'espère que ce sera des rajouts assez rapides et assez réguliers. Hein, genre, j'espère qu'on aura un niveau tous les mois, quoi. Ou tous les 2 mois. Pas tous les 6 mois. Il y a combien de circuits qui vont arriver, Tizapo? Il y en a un ou il y en a plusieurs? Ah, on voit plus le soleil, il se couche, fait chier. Non, ils vont rajouter entre 5 et 7 circuits. T'es sûr? T'es sûr de toi, Zappo? Ah bah si c'est ça, c'est excellent. Donc là, alors Zappo, tu nous confirmes que au mois de décembre, ils vont rajouter 5 circuits. Au moins 5. Ou à peu près 5.
Mais c'est, ça a été dit, Zappo, ou c'est toi qui tire sur la comète? Ok, bah écoute, hein. Tant mieux alors. Tu me dis 4-5 circuits comme ça d'un coup, ça va être cool. Ah, finish! Cool! Au début, c'était que 2 en décembre, en janvier. Bah oui, bah oui, carrément, 20 circuits. Forza 7, hein, je tiens à le dire, Forza 7, quand il était sorti, on avait 30 circuits. Hein. Et pourtant, ils avaient eu que 2 ans hein, pour faire le jeu. Pas 6. Septième. Bon, le truc qui est bien par contre, c'est que ouais, il y a pas mal de voitures, 24 bagnoles. C'est plutôt ma foi sympatoche de voir tout ça là, toute cette queue. Oui, mais beaucoup de circuits miroirs. Ah ouais? Bah non, il y a le circuit à Dubaï, le circuit Top Gear. Le circuit Yas Marina, je crois qu'il n'y a même pas Yas Marina en plus. Enfin, il y a plein de circuits qui sont absents. Le circuit en Australie. Il y a 5 tours à faire, donc je vais en mettre 9. Voilà, 32. Tac. Attends, j'ai déjà vu. J'aime bien parce que on a commencé les essais. C'était le coucher de soleil. Là, le soleil, il est pratiquement couché. C'est fait dans la continuité. Essais et courses. C'est bah ouais, l'un après l'autre, et ça c'est plutôt bien fait. C'est à dire que si tu fais les essais en fin de journée, tu auras la course en début de nuit. Si tu fais des essais au petit matin, tu feras la course sur le temps du midi à peu près hein. Le premier, il est loin. Wow. Quel con. J'ai beaucoup trop coupé.
Salut Lionfeu. Ah putain. Désolé. Tu vois, on voit à peine la voiture, c'est trop bien ça. Ah, le temps qui défile là. C'est vraiment cool. T'as vraiment cette impression, et ça se voit au niveau climatique, hein, ça se voit au ciel. T'as le temps réel, la météo en temps réel, le cycle jour-nuit en temps réel. C'est hyper appréciable. Salut Noam. Pour rattraper le premier, ça va être impossible. Encore 3 tours. Deuxième, c'est faisable. Mais premier... Mec, j'ai l'impression que ma voiture elle avance pas. Faut que je les grille là sur dans un virage. Tu es FC24? Non, je ne joue pas au jeu de foot. Ah. Salut Boulila. Va deuxième. Oui. Ça aurait été bien, ouais. Que je fais comme connerie. Ouais, je crois que c'est ça, t'as raison, Christopher. Le premier. Ouh. Eh, tu pourrais nous attendre, non? Voilà, pour le dernier tour, on va se mettre en vue capot.
Allez, ma petite Golf, toi et moi jusqu'au podium. Je te laisserai tester, Reg. Dernier tour, tu peux le faire. Merde, prends ça. C'est pas considéré comme du hors-piste. Mais j'arrive pas à rattraper le premier, hein. Non, non, il est encore très loin. Il est encore très loin, le premier. Bien sûr que ma conduite est correcte. C'est voilà, c'est normal. J'ai un certain doigté, hein. Tu joues encore à GTA? Non, ça fait longtemps que je joue plus. Ça m'arrive des fois de mettre GTA 5, mais c'est quand mes neveux veulent jouer, quoi. Jouer à GTA 6, bon, je pense, hein, a fortiori, je pense que oui. Pfiou, deuxième. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai déjà un bon classement général. Nous avons terminé P2. 4 sur 5, je suis à 106. Allez, The Big Noob, il a bien rattrapé là, 93. Là, on va pas prendre de risque, on va partir 5ème, 4ème ou 5ème. Alors là, je ne sais pas du tout, je n'ai pas joué à FC24, je pourrais pas dire ce que ça vaut. Allez, j'accepte tout. Tac. Continuer. Là, c'est pas la peine d'améliorer le véhicule, on va juste continuer. J'ai pas fait gaffe aux conditions climatiques. J'ai quel âge? Oh là là, je suis vieux, mec, je suis vieux. Vieux! Papy! Tu peux m'appeler Papy Marcus? Oh, bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue. Bienvenue pour un stream sur Forza Motorsport. Fais gaffe quand tu dis vieux. Bah, j'ai 98 ans, donc c'est normal que je dise que je suis vieux. Mais non, c'est pas le Perfoura. Perfoura. Attends, on va jouer avec la vue cockpit. Voilà. On a du petit soleil derrière. Ah bah tu vois, Zappo, je t'ai battu. Je t'ai battu dans la vieillesse. Wow, wow, wow! Osé, là. J'ai ma Golf qui a un peu décroché là. Mais t'es moitié, c'est trop beau les effets de lumière. Allez, tourne, 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 tourne. Oh. Ok. C'était chouette Assassin's Creed. Ah bah écoute, hein. Rendez-vous demain mec pour l'épisode 8. J'espère que t'as regardé l'épisode 7, hein.
Allez. Faire une moins d'une 50-80. D'accord. Merde, j'ai regardé le chat, excusez-moi. J'ai regardé le chat et du coup j'ai pas vu le virage. À fond, à fond, pied au plancher, mec. C'est dommage qu'on puisse pas mettre de musique en arrière-plan. Oh. Genre mettre du K2000 ou je sais pas moi, K2000. Supercopter. Bonne nuit Zappo. Yeah, la prochaine mec. Ah non, c'est bon. Ouais, t'as pas tort, ouais, pole position, ouais, pas faux. Ouais, mais je crois que la musique, elle est copyrightée aussi. Non, mais je n'ai pas Spotify. Moi, je n'aime pas payer pour avoir de la musique. Moi, si je veux de la musique, je mets YouTube. Merde, j'ai coupé. Avertissement! Avertissement! Ok, d'accord, ok. Ça fait deux fois que je reçois un avertissement. Vachement large, hein, punaise. Il a au moins 90 ans, ben oui. Troisième avertissement, c'est le strike, ouais, c'est comme sur YouTube. Non, sur YouTube, tu peux te faire striker d'un seul coup. Là, au troisième avertissement, il supprime le jeu. Ah ouais, je connais GTO. J'ai tout l'animé. J'ai acheté il y a longtemps, hein, il y a au moins un an. J'ai acheté le coffret DVD intégral de GTO. Encore un avertissement. Attendez un petit peu, je peux vous mettre une musique, je crois qu'elle n'est pas copyrightée.
Alors, je regarde. Tac. Ah, je sais pas écrire. Voilà. Alors, c'est celui-là. Est-ce que elle est copyrightée? Non, apparemment elle est pas copyrightée, donc je vais vous la mettre en espérant que vous l'entendiez. Ah mais du coup j'ai pas la musique. Vous me direz si c'est assez fort. Ah c'est con, je peux pas l'écouter. Mais chier. Bon attendez, je vais faire un truc. Voilà, je vais retirer mon casque. Je vais prendre l'autre. Je vais mettre le son de la télé. Le son de la télé à 8. Je fais ceci. Et là, vous me direz si vous l'entendez. Et alors là, le problème, c'est que si je fais ça, il y a deux musiques qui vont se superposer. Conquérant du lointain, recherche ton père. Illumine les chemins. Est-ce que vous l'entendez? Va, Jess, conquérant de demain. La racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jess. Des fois, ça m'arrive de l'écouter. Regardez, il est archi loin le premier. Salut Lloyd. Ah là, il y a non mais. C'est gavant les pubs! Tiens, je vais en profiter pour faire un petit reboot. Voilà.
Putain, mais le premier, il est parti à Pétaouchnok, quoi. Après, je connais pas trop les musiques libres de droit, donc voilà, on va éviter. Il y a une époque hein, où vraiment je mettais un peu toutes les musiques, même des musiques copyrightées, mais bon. Oh merde. Les virages de fou. On va essayer comme ça vite fait. Allez, 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 allez. On va y arriver. J'arrive pas à rattraper le deuxième. Est-ce parce que je conduis comme une merde? Là, ils sont en train de s'éloigner, mais à une vitesse, mais totalement hallucinante. Tiens, le soleil qui apparaît. Ok, on tient le bon bout. On essaye de rattraper vite fait, bien fait le deuxième. Là, en vrai, je suis à 3 doigts et demi de recommencer. Hein. 3 tours restants. Là, ce qu'il me faut, c'est une première place. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Quand tu crois que... Putain de merde. Ah là 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 là, on va devoir recommencer. Je peux pas... C'est pas la peine de faire un championnat si c'est pas pour, c'est pas pour arriver premier, hein. Bien du challenge un peu au milieu, mais il faut quand même qu'à la fin j'arrive premier, et là c'est pas fait hein. Mais je peux pas en fait redémarrer. Fou, j'ai eu peur. Non non, il faut que je recommence là, je peux pas arriver. Non, moi je veux ma première place hein. Voilà, hop là. Troisième, fais pas chier. Je vais baisser un peu le volume du jeu. Ok. Voilà, ça va être un peu mieux. Ou pas. Ou pas. Et la mini. La mini. La mini! Elle a le feu au cul, la mini!
Elle a le feu au cul! Elle a quoi comme moteur? Mais regardez-moi ça! Elle est déjà à 30 km devant! Loul! Mais je vais jamais pouvoir la rattraper. Regardez là, le deuxième. Le deuxième, au calme. Et le premier. C'est pas possible. Ah, je vais essayer de m'accrocher, mais alors là. Ah! Vas-y, va vivre ta vie! Punaise! Non, je ne suis pas au volant, je suis à la manette. Les volants, c'est trop cher. J'ai l'impression que je peux l'avoir au virage là, mais une fois, tu vois, t'as l'impression que tu rattrapes le gars, mais dès qu'il y a une ligne droite, il te fume. Encore 3 tours. Quoi? Et petite question, c'est bien en parallèle le possesseur de la chaîne? Ben non, pas du tout. Aucun rapport. Oh, j'ai jamais été aussi près. Allez. À fond! Oh là 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 là! Je bats des records parce que je me retrousse les manches pour pouvoir le rattraper, ce petit con. Allez! Toi mon gars. J'ai déjà entendu ta voix sur une autre chaîne, c'est certain. Ah bah oui, bah c'était ma chaîne Marcus 27500. Ça fait juste 13 ans que je fais du gaming, donc ouais non. Je m'amuse pas à réagir sur de l'actualité. Oh là 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 là. On est au troisième tour, quatrième tour. Quatrième tour. Oh, regardez-moi ça, je le rattrape, je le rattrape.
Ah, je prends large, je prends très large. Ouais. C'est quoi mon autre chaîne? Bah j'ai pas d'autre chaîne. Si je t'ai touché, je m'en fous. C'est bien connu, il y a de Forza Triche. Bah, je sais pas, mais en tout cas, le premier, il était chaud. Hein. Allô, Patrick? C'est le à l'huile. Eh bah, putain. Il a fallu en faire des efforts pour le doubler. Hein. Avant, oui, j'avais une autre chaîne, mais elle a été fermée, donc à partir de là, j'en ai plus qu'une. Doucement, tourne. Oh putain. C'est pas une Clio que j'ai, Lloyd. C'est une Golf. Il me talonne, le con, il me talonne. Oui, tout à fait, la matrice. Tout à fait. Encore une fois, ça fait 13 ans que je suis sur YouTube, hein. Là, j'ai un peu trop freiné. Allez, ligne droite, dernière ligne droite. Oui, oui. Non, pas encore. Ouais. Wouhouhou. Ah, c'était tellement chaud, mon gars. 134 points au total, 118 pour le deuxième. Waouh. Ah bah désolé mon petit Lamatrix, on va pas s'amuser à faire un historique de ce qui s'est passé dans ma vie. Sinon on n'est pas couché. Alors tac, on passe. 33 100 crédits. Trophée d'or, félicitations, vous avez remporté un trophée d'or pour avoir terminé premier dans la série Performance Pratique. Ceci est accompagné de 15 000 crédits. Waouh, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Capot, pare-choc, on s'en fout. Continuez. Série suivante. Donc, là, on peut faire ceci ou en bas. Bah, je pense que je vais rester dans moderne. On va rester dans moderne et puis on verra bien pour descendre la prochaine fois. Tac. Voilà. Chaque année, les fabricants lancent la conception d'une voiture du moment. Voilà ce qui les définit. Des voitures agiles, bien conçues, avec une esthétique au design futuriste. Pas seulement des fantasmes automobiles, attractives, accessible, chacune invitant avec plaisir un passionné motivé et acharné à attacher sa ceinture et à définir qui il est dans la limite absolue du circuit. Oh. Ah. Ah
bah écoute, la Matrix, il y a une vidéo qui explique le pourquoi du comment. Faut juste que tu regardes une vidéo datant de février. Bonne nuit, Rage. À la prochaine, mec. Donc là, on a la possibilité d'acheter deux putains de belles voitures. Donc, on a une Alpine de 2017. Oh, on a une BMW Z4 de 2019. D'accord. Là, on a une Lexus 2015. Ouais. Moi, je voudrais bien prendre une voiture assez récente. La Nissan 370Z, elle est pas mal. 78 000. Donc, je pourrais prendre la Toyota. Mais je pense que je vais même prendre la Toyota. Hein. Je vais prendre la GTR. Hein. Comme ça, on dépend. Moi, je pense. L'Alpine, un régal à piloter. Ouais, mais elle coûte 100 000. Elle coûte 100 000. Moi, en fait, ce que je veux, c'est économiser un max pour pouvoir m'acheter de belles voitures par la suite. Là, tu vois, on a la Nissan Z de 2023. Limite, je pourrais prendre plutôt ça. Tu vois, je veux dépenser. Je veux pas trop dépenser. Enfin, tu me diras, si je mets 83 000, je peux toujours dépenser 100 000. Mais je me tâte à prendre ça. On peut pas avoir une fiche technique. Les détails. Donc, vitesse 4... Ah ouais, ouais, déjà, regarde. Là, la vitesse, elle est à 4. Là, 5-8. 3-1, 2-6. Ouais, non. Là, la 5-8, elle est pas mal. Hein. Là, on a du 6-1 et 96 000. 6-4. 4-9, 3-7. Ah ouais, non, mais non, l'Alpine, non. Il faut une voiture un peu polyvalente. Hein. Là, tu vois, même 4-9, c'est pas assez, 4-9. Là, 6-4, c'est bien. Moi, ouais, il faut une voiture qui ait une bonne vitesse de pointe. Là, tu vois, 5-8, c'est bien. 4, c'est pas assez. Tu as déjà la Toyota. Oui, mais la Toyota, elle est pas terrible. La Toyota, elle est à 4. Elle est à 4 en vitesse de pointe. La 5-8, elle est plutôt pas mal. Hein. Elle coûte moins de 100 000, moins de 90 000. Je pense que je vais acheter la Nissan. Hein. Ouais. Oui. Oui, ça s'améliore, Lloyd. Mais à partir du moment où tu prends une voiture qui est déjà nickel chrome de base. Là, tu vois, regarde, je vais dire une bêtise. Si j'améliore l'Alpine, je passerai. Je vais dire une bêtise. Voilà. Je vais dire une bêtise. Si tu passes. Si tu améliores l'Alpine, tu passerais en vitesse de 3-7 à 4. Mais. Tu peux aussi améliorer la Nissan et passer de 5-8 à 6-2. Un truc du genre. Donc moi non, je vais partir sur... Je pars sur ça. J'achète ça. Acheter. Non, en vrai... Jaune. Tac. Je voulais pas dépasser 90 000. Il me reste plein d'argent pour après. Ça me paraît bien. Continuer. Performance. Si je fais amélioration rapide. Tu vois déjà. Tu vois déjà la vitesse. Regardez déjà. Si j'augmente, si j'améliore ma voiture, je passe déjà de 5-8 à 6-3 quoi. Non, ouais, franchement, bien la voiture.
Pourquoi pas en jaune? Qu'est-ce que t'as contre le jaune? C'est très bien le jaune. N'aie pas peur d'utiliser les bords de la piste dès que tu en auras l'occasion. Comme ça, t'élimines les pilotes roulant au milieu les uns après les autres. Attends, moi, il faut que je supprime ça. Voilà. Excusez-moi. Commencez. C'est l'heure de la course. T'as 208, elle est jaune. Moi j'aime bien les couleurs vives. Moi j'aime pas tout ce qui est noir, gris, blanc. J'aime bien les voitures, ouais, assez colorées. Pareil que l'autre voiture, hein. Ce qui est tout à fait normal. Ciao Yves. Bonne nuit. Ouais, j'avais déjà la Toyota, mais la Toyota était vraiment pas terrible. Enfin, c'est pas qu'elle était pas terrible, mais il y avait beaucoup mieux. Allez, ça c'est fait. Simon. Ah! Quel con! T'as brouté toi! Ah, il a failli me foutre. Il a failli me faire une tête à queue quoi. Pourtant, je m'étais pas foutu devant lui. Je crois pas. Écoutez, pour l'instant, elle est plutôt chouette à piloter. Elle fait un joli bruit. Ma foi. Ça parle de quoi? Bah c'est un jeu de voiture quoi. C'est le nouveau Forza Motorsport. Tu as devant toi le plus beau jeu de voiture sur console. Merde! Excusez-moi, j'aime pas faire du rewind, mais là non. Non, je suis pas en manuel, je suis en auto. Je suis à la manette, mec. Hein. À la manette, moi je joue pas en manuel. Hein.
J'aurai un volant, je dis pas, mais pas à la manette. Et c'est terminé. Et c'est terminé. D'ailleurs, hein, pour ceux ou celles qui seraient arrivés en cours de route et qui auraient oublié de lâcher un pouce en l'air, eh bien, n'hésitez pas à mettre le like. C'est très bon pour le référencement. C'est donc très bon pour moi. Accéder. On va se mettre 5e. Je vais voir un petit peu le niveau des joueurs. Donc là, on a des pneus sport, ouais. On a 6 tours à faire. Donc du coup, je vais mettre 9 tours. Elle est belle ma voiture. En plus, le truc qui est bien avec cette voiture, c'est que c'est un modèle récent. C'est le modèle de cette année. On va commencer un peu en vue cockpit. Merde. T'as les deux totos là qui sont à fond. Allez, on les, allez, allez, on passe. On va pas se recoltiner un mec qui est à fond quoi. Mais vraiment la vue, troisième personne, j'ai un peu de mal avec cette voiture. Je l'ai pas mal rattrapé là, c'est cool. Allez, 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 on accélère. Voilà, on prend la spi. On prend la spi. La spi, la spi. Boum. Par contre, faut pas que je me viande maintenant. Hein, Marcus Hilton, Hamilton. Enfin, Marcus Hilton, c'est bien aussi. Je serais riche. Waouh! J'ai l'impression que plus tu avances dans le jeu, plus les IA sont énervés. Ouais, ça se peut aussi. Ouais, par contre, là, dans la... Je les ai distancés, mon gars, d'un truc de... Enfin, d'une distance. Ils sont loin, loin derrière. Ouais, là, 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 là,
Là, c'est sûr et certain, hein. Je ne peux qu'arriver premier. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Attends, j'ai l'impression que le son du jeu est encore fort, fait chier. Pas non plus que le jeu soit trop fort. Même si vous m'entendez bien, faut quand même que ce soit bien audible. Pour ceux qui auraient des problèmes d'audition. Où c'est que je vais là? Punaise, mais c'est quoi ce Beans? Donc là, quatrième tour. Allez, bye bye! A tout à l'heure! Essayez de me rattraper, s'il vous plaît! Histoire d'avoir un peu de challenge. Encore du hors-piste, décidément. Cinquième tour. Waouh! À la prochaine, mec. Ah, voilà. T'as vu ce que tu m'as fait faire? C'est quoi ta caisse? Ça va, j'ai l'impression que c'est la même distance par rapport à tout à l'heure. Oups. I'm sorry, man. Oh là là, il est hors de question qu'on garde ça. Dernier tour. Oh là là, c'est quoi ce virage? Ah là là, faut pas que je déconne. Faut pas que je prenne la confiance. Ouais. Oh là là, je me suis bien éloigné. Il y avait une voiture qui était bleue et elle n'est plus là. Peut-être qu'elle a été doublée. Ce virage pris mais n'importe comment. Trop facile. Ouais, c'est vite dit quand même. Hein. Là c'est assez tranquille. Mais tout à l'heure là, je faisais pas le fier. Hein. Heureusement qu'il y avait plusieurs tours. Hein.
Et pas que 3. Et je... BOUM! Première place. Bien joué. Nous avons terminé P1. Donc là, c'est qui le deuxième? C'est Lockdown, d'accord. Hop, on passe. On va voir pour améliorer le véhicule juste après. Continuez, continuez. Performance. Si je fais amélioration normale. Je ne gagne rien. J'ai l'impression que je perds, mais vraiment un petit chouïa en accélération. Je gagne pas mal en freinage. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Bon, allez. Tac. On continue. Un petit temps merdique. Est-ce qu'on peut avoir un petit temps merdique? Histoire de, voilà, de changer du beau temps. Ah non. Ce sera pas pour tout de suite. Quoique, hein, il pourrait très bien pleuvoir par la suite. Hein. Tu peux commencer avec du beau temps et finir une course avec un temps de merde. Hawk, le gambler, te mettra à l'épreuve. Si tu es précis, tu n'auras pas besoin de freiner avant de t'y engager. Vous vous rendez compte? On est à 2h07 de gameplay, de live, et on a fait qu'un championnat, et là c'est la deuxième course du deuxième championnat. Les championnats sont très longs. Mais ils sont très longs pourquoi? Parce qu'il y a à chaque fois 3 tours d'essai à faire. Waouh! Soleil qui nous éblouit la gueule. Ah, je vois plus rien, mes yeux. Mais quoi là, c'est un crépuscule en fait, c'est pas un petit matin. Salut les Célestins. T'as dit, faut rien freiner là. Attends, là il faut faire moins de 1,34-32, d'accord. Ce qui implique qu'on est bientôt à la fin du premier tour. Et merde. Bon, voilà, j'ai réussi quand même. Attends, on va se taper une nuit là, on va encore faire une course de nuit. Là, clairement, le soleil, il est bien moins haut dans le ciel. Hein. Bah ouais, écoute, Célestin, moi, ça va bien. Voilà, je reprends ici. Là, je sais pas pourquoi j'ai pas suffisamment freiné. Thank you.
Chaud, chaud, cacao. Chaud, chaud, chocolat. Là, je vais essayer de battre mon record. Est-ce que ça va être possible? Vais-je y arriver? Attention, mystère et grosse boule de gomme. On est sur série X, mec. Super. Tout à fait, ouais. De toute façon, oui, je mets toujours les descriptions à jour. Je sais même pas si j'ai écrit. Non, j'ai pas écrit. Ouais, j'ai juste fait. On continue la carrière. Mais j'ai rien fait de spécial. Ouais, j'aurais dû dire qu'on était sur série X. Et tout le monde ne regarde pas la description, hein, c'est pour ça. Je devrais écrire série X dans mes titres. Je devrais mettre les supports dans les titres. Ça, les gens, ils ont tout de suite l'info. Est moins agressif, bah, c'est peut-être aussi en fonction de la difficulté. Hein. Je vais dire une bêtise, si. Merde. Ah merde, c'est terminé. Qu'est-ce que je veux dire? Si, si, voilà. Non, en fait, ouais, si t'as vu ou si tu joues à un jeu en difficulté difficile ou très difficile, et qu'ensuite toi tu joues ou tu regardes un autre mec qui jouait en version normale, là tout de suite tu vas voir que l'IA elle est un peu plus molle. Moi là en difficulté je suis à 4 sur 8, hein. Je suis en normal à peu près. Le troisième. J'essaye de jouer la sécurité dans les premiers circuits. Donc ouais là 21h. Une course de nuit. Là le carburant on a combien? On a 18 tours. Ouais mais non mais on a que 6 tours mec. Voilà, 8 tours. Tac et tac. Ah, ça accélère fort derrière. Ah, ils sont pas mous du genou, hein. Eh, mais... Non, j'ai rien dit. Les effets de lumière et les effets de réfléchissement là sur le pare-brise, sur les bagnoles et tout. C'est vraiment du bon boulot.
Regardez, remarquez la qualité de l'éclairage intérieur lorsqu'on passe devant les pylônes de lumière. Comment l'habitacle s'éclaircit. Mais avance avec ta poubelle. J'ai voulu passer et je me suis foiré. Merde le con. Non c'est bon ça le fait. C'est que je vais. Mais là j'ai pris le virage en extérieur. GG la perte de temps. Et encore, hein, vous avez la qualité du stream en 2K60, mais vous avez la qualité stream. Même si la qualité du stream est très bonne. Forcément, dites-vous que sur un écran OLED comme ce que j'ai chez moi, forcément ça rend mieux, beaucoup mieux. C'est quoi ce... Mais c'est pourquoi j'ai pris le virage à fond comme ça là. Oh, calme-toi Marcus. Bon, je me suis emballé dans le virage. On va dire ça comme ça, Frédéric. Je suis pressé de voir le prochain circuit. Voilà, ça a été bien négocié. Il reste 3 tours. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un petit nanny crush. Youssef. Comment ça va à la casa?
merde. Je vois que je suis toujours membre. Ah ouais, mais ça... Ça va peut-être pas durer. Enfin, si tu t'es pas réabonné, ouais, ça partira, voilà. Mais attends, mais du coup, Youssef, t'es abonné depuis combien de temps? Le bleu clair, c'est combien de temps quand t'es membre? C'est pas un mois, ça, non? C'est pas 2-3 mois? Ou alors, c'est à partir de 2 mois, peut-être? Mais question pour du pognon, si tu arrêtes d'être membre, forcément tu perds la couleur, mais si tu te réabos, enfin si tu te réabos, si tu redeviens membre, tu reprends la couleur que tu avais quand tu as quitté, ou est-ce que tu repars de zéro? Dernier tour. Ok. Non. Je sais pas combien de distance je leur ai mis. Mais à mon avis, un bon paquet. Mais merde, mais attends, mais la voiture, j'ai pété les pneus ou quoi? Enfin, j'ai... Il n'y a plus de gomme, comment ça se passe? Non, c'est bon. Non, en fait, c'est moi qui n'avais pas freiné, en fait. Ou alors, oui, j'avais freiné, mais un peu trop tardivement. Et victoire! Chou! Le jeu il est bien? Ouais, ouais, il est bien! J'ai plus de freins, j'ai usé mes plaquettes de freins. Continuer. Donc là, 56 points. J'ai 10 points d'avance par rapport au deuxième, à Lockdown. Tac. Donc là, je peux passer. Hop, hop, hop. Ouais, 35 000. Là, on est passé au-dessus de 811 000. Ah, brouillard éparse. 9h du matin, 4 tours, tour d'essai, 3 tours. Ok, continuez. Salut Ludo. Performance, amélioration rapide. Donc là, on peut passer de 3-8, 3-3. Allez. Super. Terminé. Continuer. Et Maple Valley. T'as bien développé le côté membre soutien. Quel avantage ont-ils ? Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage hormis le fait de me permettre de survivre. Hein, surtout, bah, je sais pas si t'as vu la vidéo la Matrix. Hein, je sais pas si t'as vu
Ce qui s'est passé, en fait, ouais, c'est le soutien financier pour que je continue à faire des VOD comme ça, dans la joie et la bonne humeur. Et je pense qu'un jour, très prochain, je ferai des contributions pour ceux qui donnent une certaine somme, peut-être à des lives pour eux ou à des VOD spéciales. Je sais pas encore. Je suis en train de me tâter, ça fait quelques jours que je veux faire un truc un peu, un peu premium. J'avais pensé à faire, pour ceux qui dépenseraient une certaine somme, à faire des VOD juste pour eux. Une vidéo vraiment consacrée qu'à eux. Où je m'adresserais qu'à eux. Genre une vidéo qui ferait une vue. Mais qui serait pour la voilà. Putain. Ah, rembobinage désactivé, d'accord. Genre, voilà, c'est juste en préparation. C'est genre, par exemple... T'as Youssef qui fait un don d'une certaine somme, qui est membre de pour une certaine somme. Bah là, je lui ferai par exemple une vidéo sur un jeu qu'il aimerait bien et il n'y aurait que lui pour voir la vidéo. Ou alors faire des lives que pour ceux, un live spécial que pour ceux, enfin je sais pas. En vrai, je me tâte. Je pense que ce sera plutôt des vidéos. Parce que des lives, en fait, j'en fais déjà plein. Donc, ce sera plutôt des vidéos. Peut-être pas. Non, mais peut-être pas des. Non, mais peut-être pas des vidéos en avance. Une vidéo sur un jeu, voilà. Non, même pas des vidéos en avance. Parce que les vidéos en avance, je sais pas comment ça fonctionne en termes de visibilité, tout et tout et tout. Je sais pas comment ça pourrait marcher, mais je pourrais faire des vidéos juste pour ça. Genre par exemple, encore une fois je pars sur toi Youssef. Genre tiens, tu me dirais Marcus, je voudrais bien une vidéo sur t'en sais rien moi. Sur Battlefield, et bah voilà, je ferai une vidéo sur Battlefield où voilà. J'irai, regarde-moi ça, mon petit Youssef, t'as vu que moi je l'ai killé rien que pour toi. Un truc du genre. Après, pour oui, là tu me dis, pour ceux qui sont membres au soutien, faire des lives où ils pourraient me rejoindre, mais en vrai, tout le monde peut me rejoindre. Oh putain! En vrai, tout le monde peut me rejoindre, il suffit juste de. Comment je pourrais dire, bah d'avoir le jeu, d'avoir le même support et puis de me rejoindre, d'avoir le temps quoi. Ça est déjà arrivé hein, que des gens me rejoignent sur certains jeux, hein, notamment BF. Mais après ça tu vois, ça c'est par exemple moi c'est vraiment. Toi les vidéos personnalisées, c'est vraiment pour ceux qui feraient des dons d'une certaine somme. C'est vraiment pour les remercier de m'aider à survivre. Parce que ouais, c'est vrai qu'après ce qui s'est passé fin 2022, ça a été compliqué de repartir. Heureusement, bah voilà, hein, la communauté est restée, le noyau dur est resté, d'autres gens est arrivé, enfin, d'autres gens sont arrivés, et grâce aux dons, grâce au fait que les gens soient là très régulièrement, j'arrive à en survivre très limité, mais pour l'instant ça va. C'est ce que j'avais dit hier sur le live. De merde sur le live, c'est que là grâce à vous je suis là pour encore un mois, donc pendant tout octobre, non pendant tout novembre. Après on verra bien, est-ce que je serai là pour décembre. Là c'est du mois au mois quoi.
désolé. Ah merde! Non, c'est bon. Salut Drunken! Je t'avais pas vu. Ouais, tout à fait, ouais. La matrice. L'activité YouTube hein, et l'activité principale de ma life. Doucement. T'es en live à quelle heure ? Je suis en live à partir de 21h en moyenne. Généralement c'est 21h, 21h15 en ce moment. 21h30 à tout péter. Mais généralement c'est plutôt 21h, 21h15. Putain. Ouais, les lives c'est à partir de 21h on va dire, et les VOD ça arrive à partir de 18h. Des fois 17h. Ok. Ok. Tac. Donc une course qui s'est plutôt bien finie. Ah mais non, mais en fait c'était pas la course, c'était l'essai. Accéder à la course. Au fur et à mesure que tu deviens plus à l'aise. Et je sais, voilà. Ils vont faire comme pour merci Ludo. D'autres aides au pilotage pour t'aider à. Ils vont faire comme dans The Crew Motorfest. Ils vont m'inciter à chaque fois à hausser la difficulté. Non mais j'aime bien commencer... Bah tiens, quatrième, allez, j'essaye quatrième. Voilà, d'habitude je me mets troisième, là je me mets quatrième. Oui, enfin après la Matrix, hein, je suis pas quelqu'un acharné. Moi tu vois, je préfère avoir ma petite communauté hyper fidèle. Qui est là tous les jours, qui viennent en masse le soir en live, plutôt qu'une grosse communauté qui viendrait vraiment de façon très très éparse et qui ne serait pas là le soir. Moi, ce qui est bien avec vous, en tout cas ceux qui sont là au jour le jour, c'est que vous êtes là pratiquement pour beaucoup tous les soirs pour les lives. Et vous êtes là très 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 souvent pour les VOD. Je suis assis dans 4 tours, je vais mettre 7 tours. Voilà. C'est parti. Mais après les gens, la matrice, là les gens, quand ils font des dons ou quand ils sont membres soutien. Ils savent que c'est pour la survie de la chaîne. C'est encore mieux, quoi. Parce que sans ça, il n'y a plus de chaîne. Là, c'est autre chose, mon gars. Là, c'est même pas... Tu sais, ça, ce que tu me dis, oui, je suis d'accord, mais ça, c'est pour une chaîne qui est déjà très bien financièrement, ou qui est bien financièrement. Ça, ok. Mais moi, je suis pas bien financièrement. Moi, je suis dans le rouge. Les gens qui s'abonnent, enfin les gens qui me donnent de l'argent, qui sont membres soutiens ou qui font des dons, c'est pas pour. C'est pour que la chaîne survive. Et donc pour que je puisse continuer à faire des lives tous les soirs, presque. Et pour que je puisse uploader, enfin que je puisse envoyer mes VOD tous les jours, 7 jours sur 7. Et c'est 2 vidéos par jour. C'est pas une tous les 3 jours, une toutes les semaines. C'est 2 par jour. En ce moment, j'en fais qu'une par jour. Enfin, je fais ouais, qu'une vidéo par jour. Mais ça va changer.
merde, je voulais le doubler sur la gauche. Eh, franchement, là, cette petite Nissan, elle est très très cool à piloter, hein. Merde, je suis énervé ou quoi là? D'habitude, je leur mets pas autant de distance dès le début. Là, il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait plus j'avance dans le temps et plus l'IA est compliquée et plus elle est énervée. Mais moi là, j'ai l'impression que sur ce championnat, plus j'avance et plus l'IA, je la domine. Attendez. Attendez. Masquer l'utilisateur. Voilà. Ouais, toi, j'étais plus rapide que toi, Stéphane. Stéphane au taquet, hein. Je sais même pas si t'es encore là, Stéphane. Non mais c'est bon, je l'ai fait. C'est bon, je l'ai fait. Ouais, mais moi quand je pense à la matrice, je pense à Matrix. Oui, tout à fait la matrice. Tu vois, moi je ne fais pas partie. Alors là, je balance pas de nom, hein, je balance pas de pseudo, mais je ne fais pas partie de ceux qui gagnent des milliers d'euros via les VOD et tout, et qui réclament encore en plus de l'argent sur les streams ou sur d'autres choses. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment mais à mort sur les dons. Alors que leur chaîne fonctionne très bien et on sait très bien qu'ils gagnent des milliers d'euros. Mais tu vois comme quoi des milliers d'euros ça ne leur suffit pas. Moi je vais dire une bêtise. Je toucherais l'argent que toucheraient certaines personnes. Il n'y aurait pas de dons. J'aurais pas besoin de dons. Mais bon. C'est good. Non, on repart. No stress, il y a point S. Oh là. Ouais, c'est vraiment je gratte un max. Moi, voilà, il y a peut-être des gens qui sont là, qui me suivaient sur mon autre chaîne. Je gagnais correctement ma vie, c'était limite, mais je gagnais correctement ma vie. Et pourtant, j'avais pas activé les membres soutien. C'est moi ou il y a un bug graphique? Ah, il y a un bug graphique. Ouais, c'est vilain. Salut Richard. Oula, attention. J'ai
J'aime bien l'environnement extérieur là. La couleur des arbres, on a du vert, du orange, du jaune. Du jaune plutôt. Du jaune bien jaunâtre ou du jaune un peu plus. Voilà quoi. Mais putain, mais quand on vient sur cette portion de circuit, on a ce vieux bug d'ombre. Ouais, bah on haussera la difficulté après la matrice. Faut pas hausser la difficulté en pleine course. Là tu vois le seul bug qui blesse c'est ce côté bug des ombres qui gâche un peu l'immersion. Là là là, regardez. Mince. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Heureusement qu'on n'est pas sur Wreckfest, hein, parce que là, j'aurais explosé la voiture. Bien joué. Nous avons terminé P1. Bien joué. Bravo le veau. Donc là, level 11, 22 850 de pognon. Tac, tac, tac. Allez, on passe. Alors, j'en sais rien du tout, la matrice, parce que la matrice, ça, c'est quelque chose que je ne regarde pas. Parce qu'en fait, ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de plein de paramètres qui ne dépendent pas de moi, mais qui dépendent de YouTube. Il y a plein de paramètres, genre... est-ce que voilà, c'est le mois, le type de VOD, la durée de la durée qui est regardée par les gens en moyenne, la fourchette d'âge, enfin il y a tellement de trucs. Tac. S'il y a des gens qui font des dons à l'intérieur ou pas, enfin je fais pas gaffe moi. Tu sais c'est pas très sain pour le moral de regarder tout le temps ces stats. Parce que ça peut être hyper déprimant quand tu vois le boulot investi et la réception au global. Continuez. Il y a plein de gens qui font pas, qui regardent pas parce que ça les déprime. Limite, ouais, je suis bientôt proche de la limite. Alors attends, si je fais amélioration rapide... 3,9, 3,4. Ah ouais, là ça monte bien au niveau du freinage de la tenue de route. Je dis oui. Ah ouais, attends, mais la limite c'est. Ah non, mais la limite c'est 700. Ah, mais c'est bon alors, je peux y aller. Confirmé. Schlack, réglage. Non, c'est pas le réglage. Réglage consiste à apporter de gestion des réglages. Non, c'est pas là. Merde, où c'est qu'on règle voiture, c'est peut-être pas là. Sur la piste pendant l'entraînement. C'est peut-être après. Certaines pièces d'amélioration apportent d'autres options de réglage, vous permettant d'encore mieux maîtriser les performances de votre voiture. Ouais, pilote débutant, pilote amateur. Changement de direction amateur, amateur. Importante en raison des descentes et des virages en dévers qui nécessitent un allez, je me mets à et une vitesse je me mets à 5. 5 sur 8. Commencez l'essai. Non, je ne fais pas de placement de produit parce que à chaque fois que c'est de la merde. Je ne vends pas mon cul pour de l'argent. Donc, et comme à chaque fois c'est des jeux mobiles, bah moi je veux pas. Moi je conspue, je répugne à faire du jeu mobile. Je vais pas m'amuser
à faire des jeux mobiles. Hein ? Je vais pas faire genre, je m'amuse, je suis content de jouer au jeu, alors que ce serait totalement faux. Moi, je ne suis pas hypocrite. S'il y a bien quelque chose qui me caractérise par rapport à certaines personnes du milieu, c'est bien mon hypocrisie. Là encore, il y a quelques jours, et c'est véridique, j'ai reçu une demande de sponsorisation pour un jeu mobile. J'ai été voir le jeu mobile, j'ai pas du tout aimé, du coup j'ai pas répondu. J'en veux pas. Je passe combien là? Moins de 2,1456. Ah ouais. Ah, le circuit est assez balèze. Parce que d'habitude on fait des circuits qui font à peu près une 20, une 30, une 40. Je sais pas, j'ai pas demandé Lloyd. Comme ça ne m'intéresse pas, je demande pas. Ouais, c'est pas demain la veille que vous aurez des jeux mobiles sur la chaîne. Moi je joue aux vrais jeux, des jeux console ou PC, mais pas mobile. J'ai fait 2,11,267, pas mal. J'ai réussi à battre le chrono demandé dès le premier tour. Faut que je fasse attention. Mais en fait, je remarque qu'il y a quand même un petit peu de flaques d'eau. Hein. Enfin, c'est pas des vraies flaques d'eau, mais on voit quand même qu'il y a des portions un peu plus humidifiées. Là, regardez. Il n'y a peut-être pas les flaques d'eau qu'on avait dans Forza, dans FM7, mais ça va encore. Au lieu de, j'ai pas fait gaffe. Ah merde. Ciao Ludo. À la prochaine mec. C'est ce que j'ai fait, la matrice, hein. J'ai augmenté, hein. T'as pas regardé... Merde, le coup. T'as pas regardé... tu regardes pas le gameplay? Je suis monté de 4 à 5 en difficulté, sur 8. Je suis passé de normal à normal difficile.
D'accord. Là, on est plutôt pas mal. Retour dans le vert. Boum! Nouveau record. Elle est bien la vue capot. Hein. Franchement, on voit parfaitement bien ce qu'il y a devant nous. On peut bien négocier les virages pour vraiment les prendre à la corde. J'irais presque jusqu'à dire que la vue capot est un poil meilleure que la vue cockpit. Même si, voilà, niveau cockpit, tu auras toujours une immersion top moumoute. Là, t'es pas mal, parce que bon, t'as pas l'immersion du volant, les reflets sur le pare-brise et tout. Mais par contre, t'as une sensation de vitesse un peu meilleure et une vue très très dégagée. Bah, tu sais, hein, la matrice, ça va arriver au fur et à mesure. Hein. Encore une fois, tant que la commu, elle est là, elle est présente, c'est good. Hein. Fini le live avec vous, après, je vais poncer le jeu jusqu'à demain matin. Ah ouais, carrément. Oh, dis. Je prends pas de risque, voilà. Je sais pas ce que vaut la difficulté 5, donc je préfère ne pas prendre de risque, voir un petit peu ce que ça donne. Si je vois que j'ai encore le dessus, peut-être que la prochaine fois je passerai en position 4 ou 5. Là il y a 4 tours à faire, donc je vais mettre 4 tours, je vais mettre 7 tours. Tiens, on commence directement comme ça là. Pour l'instant, je l'étalonne. Ça glisse à mort, mon gars. Ah ouais, non, mais là, mon gars, faut vraiment faire très, très gaffe. Là, ça glisse à mort. Il est en train de s'éloigner le gars là. Enfin. T'as pas mis des pneus pluie. Ben j'ai pas fait gaffe. Moi, je pensais qu'ils avaient déjà mis les pneus pluie. Allez, l'aspi, mon gars, l'aspi, est-ce que je peux? Oui, je me rapproche. Merde.
c'est chaud sous la pluie. Allez, la spi. On se décale. Et on passe. Fou! Ah ouais, non mais vraiment, vraiment la pluie elle est bien faite. Hein. C'était qui m'avait dit que la pluie était pas si bof, était pas si bien faite que ça? Franchement, ça passe grave. Hein. Du coup là je suis en train, voilà, j'ai remonté un peu le chat. Du coup ouais, toi tu m'as découvert avec Doom Eternal. Doom Eternal, un très très bon jeu. On refera un jour en let's play. Très clairement. Ah ouais, toi c'est The Division, ah oui. Le premier The Division. Ou le 2. Il commence à faire bien nuit là. Salut Cozy. Oui quoi, oui le premier, ouais, le premier. Et donc du coup oui ça date. Non. Ok. Là tu vois quand tu freines, faut vraiment pas appuyer fortement sur la gâchette. Hein. Quand tu freines de nuit, enfin pas de nuit, quand tu freines quand t'as de la pluie, t'as intérêt de presser très légèrement en continu la gâchette pour ne pas bloquer les roues. Ça c'est vraiment bien fait. Et toujours hein, les petites vibrations dans la manette. J'ai vraiment hâte d'être à fin 2024 pour pouvoir jouer à la série X avec des manettes DualSense. Ce sera trop bien. Salut Damien!
dernier tour. J'ai l'impression que la pluie s'est un peu calmée. Ouais, la pluie se calme. On s'est fait saucer, là. C'est en train de partir. Moi, je trouve le jeu, bah écoute, je le trouve très bien. Franchement, on a de bonnes sensations de conduite. Le jeu est très beau. Il est très très beau. Bon, après, je t'avouerai, les menus et tout, ça fait très très austère. Ça respire pas la... En fait, quand tu joues au jeu, quand tu vois le jeu, il est très beau, le gameplay est très bon et tout. Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, il y a une certaine passion, mais la passion ne se voit pas dans les menus. La passion ne se voit pas dans la carrière. C'est un peu bizarre. Ça fait un peu le jeu clinique. Le jeu un peu froid, le jeu austère. Mais, encore une fois, le gameplay est très bon. Très joli, mais moi personnellement j'aurais bien voulu une carrière scénarisée, quoi. Un jour peut-être, hein, quand ils auront envie de se retirer du cul. Est-ce que tu vas pas me dire que ce qu'on a là, ça a pris 6 ans de leur temps, hein. Je veux bien qu'ils aient modifié leur moteur pour qu'ils tournent sur nouvelle génération et tout. Et ça n'empêche pas que même si leur moteur, il fallait tout refaire sur un moteur, ils pouvaient très bien en parallèle gérer une carrière scénarisée. Et voilà, premier. Bon bah comme quoi, hein, on a haussé la difficulté et ça passe toujours. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre, j'ai chaud. Allez, me revoilà. Ok. Ils veulent faire un jeu qui évolue, oui, mais j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout l'orientation que ça prend. Moi, je veux pas un jeu qui évolue. Moi, je veux... Enfin, oui, je veux un jeu qui évolue, mais ils pouvaient faire un jeu hyper complet de base. Amélioration. Ah, bien! On passe de 4-3... Oh non. On passe de 3-9 à 4-3 en accélération, de 6-3 à 6-6 en vitesse... 3-4-3-4, ouais, au niveau de la tenue de route et du freinage, ça bouge pas et on passe de 613 à 636. Je dis pas non. Continuez. Le jeu a l'air beau, mais oui, il est très beau. Là, dis-toi, bon, on est sur un stream quand même qui est de qualité visuellement, on est en 2K60. Donc je pense que déjà, en stream, ça passe très bien. Quand il y aura le traitement YouTube juste après le stream, ça rendra un poil mieux. Mais là, sur une télé OLED comme moi j'ai, c'est très bien. C'est très très bien. Force latérale que tu ressentiras dans les 18 virages. Ouais, enfin tu dis ça Frédéric, mais regarde, Forza Motorsport 7, il a duré 6 ans. Hein. Pourtant le jeu, il a pas évolué. Hein. Pas beaucoup en tout cas. Ils l'ont laissé au bout de 3 ans je crois. Donc là on a du bol, on a du beau temps. Waouh. Ok, d'accord. Et il me lâche dans le virage là, vas-y démerde-toi.
wow, va pas trop sur la gauche, mec. Je suis en mode auto, mec. Comme je joue à la manette, Damien, je joue en auto. Pour moi, le manuel, c'est que quand t'as un volant. De sortie de route, donc là il faut faire moins de 2,28,04, d'accord. Clavier aussi, on peut jouer à manu. Ouais, bah, enfin, moi j'ai jamais réussi à jouer à un jeu de voiture avec un clavier. Moi, il me faut soit une manette, soit un volant, et ça a toujours été la manette. Ah, c'est là tout à l'heure que je me suis fait baise. Là on va passer à combien? De 20, de 22, de 23, de 25, de 26. À l'avenir, bah, dans un avenir proche non, parce qu'il me faudrait des sous pour ça. Parce qu'avoir un volant, ça coûte facile 300 balles. Parce que, bon, peut-être des volants moins chers, mais l'objectif quand tu achètes un volant, c'est acheter quand même un truc de milieu de gamme, minimum. Et j'ai pas 300 balles à foutre dans un volant. Waouh! Oh, j'ai eu ça un peu! Ah, j'ai une roue qui est partie dans la pelouse et ça m'a fait partir en tête à queue pratiquement. Le clavier, tue l'immersion. Ça tue l'immersion, c'est ça que tu dis? Moi, je me vois pas jouer à un jeu de course sans avoir des vibrations dans les mains. Moi, jouer à un jeu de voiture avec la zéro sensation de piloter une voiture, moi je dis non. Ça doit être triste. Et l'expérience de jeu, pas terrible. Moi, jamais de la vie. Hein. Moi, il me faut des vibrations. Hein. Je puisse ressentir des vibrations quand je freine plus ou moins fortement, ressentir des vibrations quand je roule sur les vibreurs, ressentir des vibrations lorsqu'il y a un contact, lorsque je prends un virage un peu trop prononcément, enfin tu vois ce que je veux dire. Et merde. Chaque fois je me fais avoir. Saleté de virage. Ah, c'est bon, j'ai fini les essais. Cool. Tu l'aimes pas? Ouais, non, le dernier virage, je me fais avoir à chaque fois. Hein. C'est comme tout à l'heure, hein, au début de stream. Parce que là, on va... Putain, on est quand même... Attends, il faut que je fasse le petit reboot. Le petit reboot. Donc, l'écran noir est normal. Hein. Voilà. Ça fait quand même 3h15 qu'on stream et comment je pourrais dire,
Je voulais dire un truc, fais chier. Donc oui. Oui, c'est ça. On a fait un circuit et pareil, j'y arrivais pas. À chaque fois, je me faisais avoir. Pareil pour moi, je demande à celui qui joue clavier à ce genre de jeu. Allez. Carburant, donc là on a 4 tours à faire. Mais pourquoi ils me foutent autant de tours supplémentaires? 7 tours, c'est bon. Hein. On est en pneu sport. Vas-y. Salut Phoenix! N'oubliez pas le like si c'est pas déjà fait. Il y en a plein qui l'ont fait, je le vois. Mais il y en a certains qui ont dû oublier. Excusez-moi, je vais éviter, il faut que j'évite d'en faire comme ça aussi souvent. C'est juste que j'ai un problème, c'est que je vous lis. Je vous lis, donc forcément quand je vous lis, j'ai plus mes yeux rivés sur l'écran, sur ma télé. Et je boum, c'est la catastrophe. Merci pour les pouces. Non. Oh putain de merde. Ah la misère. Vas-y, repasse devant. Voilà, repasse devant. C'est de ma faute, j'ai merdé. C'est dangereux de rouler sur le bas-côté, hein. Ah, à vous motoriser. Bon, bah, vous êtes bien généreux parce que 3, c'est déjà bien. Je le laisse un petit peu devant moi, le gars. Ah putain, le virage, le virage. Ouais, c'est bon. Je l'ai bien pris, incroyable. Ouais, je vais le garder avec moi. Et puis bah voilà quoi, on va le suivre tranquillou.
Salut à Wiz. Oula, oula. Avance. Bon allez, là je fais plus de cadeaux mon gars. Enfin, je fais plus de cadeaux. J'arrête de te suivre. Je passe devant. On va arriver au troisième tour, mec. C'est bon quoi. Bouge ton gros cul. On prend la spi. On prend la spi. La spi, la spi, la spi, la spi, la spi, la spi. Et on se décale. Ok. Premier. Putain de bordel. Je l'ai bien pris tout à l'heure et là non. La température des gommes sont prises en compte logiquement, oui. Logiquement. Ça le fait, ça. Hop là. J'ai légèrement glissé. Et fort heureusement, j'ai réussi à récupérer le véhicule. Bah oui, hein. Tout à fait, Christopher. À fond. Salut Exomarin. Enfin bonsoir hein. Bonsoir, salut, salut, bonsoir. Vu l'heure qu'il est. Rappelle-moi de quelle région t'es. Je suis en France. Et c'est la seule chose que tu sauras. Encore un tour. Deux tours. Quelle belle région. Ah bah c'est une très grande région. Ah d'accord. Voilà, je pense que ta copine m'a entendu. Je vis dans une région qui a la forme de la France. Placé quelque part. Nord, au sud, dans l'ouest, à l'est, dans les dom-toms. À la Polynésie. Non, non, fais non. C'est en France. Voilà.
En France, l'exomarin, en France. Je ne peux pas te dire plus. Déjà, ça t'aide beaucoup. Si je te dis que j'habite en France, déjà, franchement, ça t'aiguille à mort. T'habites phare, toi. Virage. Ok. Et j'avais un souvenir que tu étais d'Alsace, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas non plus. Je pourrais pas te dire. Peut-être mon accent alsacien ? Va savoir. Ah, bah il était bien cool ce niveau. Beau travail. Nous avons terminé P1. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va continuer, on va finir le championnat. Il reste une course. On va la finir, cette course. On va la faire. Tac, on passe. On s'en fout de me voir premier. 26 050. Pif, paf, pouf, patapouf. Allez, on continue, j'ai dit. Et là, on passe en performance, amélioration rapide. Et là, on va regarder un petit peu. On passe de 4.3 à 4.5 en accélération, de 6.6 à 6.9 en vitesse, de 3.4 à 3.5 en tenue de route et de 3.4 à 3.7 en freinage. Je dis oui. Bah, tu sais, Cozy, il y a une période en France où, en journée, tout le temps, il fallait que tu aies les phares. Hein. Mais hélas, fort heureusement, cette période est passée. Continuez. Merde, j'ai pas fait gaffe, on allait où? Mugello. Ou Mugello. Mugello, circuit. Circuit complet. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas dépasser une voiture immédiatement. Sois patient. Étudie son itinéraire de course. Puis, utilise ses propres tactiques pour la dépasser. Merci de m'expliquer comment faire. Donc là, on a encore du beau temps, on a du bol, hein. Doucement. Oh, voilà, bijou. Calm down. Marcus, est-ce que tu sais quoi le niveau max des voitures? Non, je ne sais pas du tout. No puede te dicer, mec. Je vais essayer de rattraper la bagnole rouge qui est devant. Ah merde, j'ai fait du hors-piste. Avertissement? Pourquoi? J'ai le droit de faire ça quand même. C'est ce que je veux si j'ai envie de rouler sur les vibreurs. J'aime bien quand ça vibre. Surtout quand j'ai ma manette au niveau de l'entrejambe. LOL. Doucement. Wouh.
magnifique. Écoute, hein, ça se passe bien, le circuit est plutôt cool. Hein. Il fait beau. La voiture est nickel. Faut bien que mon côté beauf ressorte de temps à autre. Hein. Moins de 2,13. Wow, 2,12, 957. Hein. C'était pas loin. Que je rate. Hey! De lui, j'ai eu un temps négatif. Ouh, shame on you. Ciao mec, mon dodo. Oh là là! Ah, c'est du tout bon ce voiture, cette bagnole! J'ai bien fait d'avoir acheté! Hein. Alors là franchement, c'est ce que j'avais déjà dit maintes et maintes fois, Cozy, c'est que moi au niveau motorisation, sous-moteur et tout poutine, j'y connais que dalle. Donc si tu me dis que c'est un moteur Renault, ok, hein, je vais pas te contredire parce que je sais pas. J'avais établi pour 23 et je suis à 24,050, donc ouais ça va, c'est pas la grosse loose. J'arrive encore à battre des records là au niveau de certaines sections.
Freine. Super. Je suis derrière, mais vous ne m'aurez pas. Et c'est la fin de... des essais. Merde, putain, c'est pas la course. À chaque fois, je suis à fond dedans. J'ai dit, ça y est, on a fini la course. Mais non, on ne fait que finir les essais, bordel. Mais ça augure du bon. Là, je veux juste voir la météo. Est-ce qu'on va avoir un temps similaire ou est-ce qu'on va avoir un temps de merde? Non, ça va encore. Attends, épreuve. 18h45, temps clair, 5 tours, d'accord. On va commencer là. Hein. Oui, il y a des voitures qui ont les phares allumés, d'autres non. T'as l'impression que t'as des gens qui sont déjà prêts, qui sont au taquet, et d'autres qui sont vraiment en retard. Bah oui, bien sûr que je dompte. Enfin, j'ai dompté la totalité des chevaux de ma bagnole. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, on a 5 tours et ils m'ont mis 15 tours. C'est super. On va mettre 8 tours. On a 42%. Allez. On a 5 tours, hein. Oui, c'est ça. 5 tours. 5 tours. Ah ouais, moi aussi j'aime bien. Il y a des circuits où en fait t'as pas trop d'affinité, mais là ouais. Il est chaud le mec à droite là. Avec sa livrée un peu what the fuck. Quatrième place. Troisième place. Et le premier, il est en train de partir comme une flèche. Excuse-moi de te pousser de la sorte. Il faut que je rattrape le pépère là. STP. Tellement mal pris ce virage, bordel. Puis le premier, il a toujours 40 km d'avance. Je sais pas si je vais plus vite que lui en vitesse de pointe. Ce serait bien. Attendez, excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. Voilà. J'ai l'impression que je le rattrape un peu. Ah merde. Hors piste.
ça brûle. Hello, ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Ok. Bonne nuit, Cozy. Bien parti pour être deuxième. Hein. Punaise. Mamma mia. Ah non, mais là, il est trop rapide. Trois tours restants. Trois tours restants. J'arrive pas à le rattraper. C'est ça qui me saoule. Malgré le fait que je me concentre sur la game, j'arrive pas à le rattraper. Hein. Derrière, ils m'ont rattrapé ou comment ça se passe? J'avais pas fait gaffe qu'ils étaient aussi près de moi. Virage, mais comme un caca, mon gars. Ah ouais, non, mais il est toujours loin. Quatrième tour. Mais j'ai des punaises de lit dans mon nez ou quoi? Comment ça se passe? J'arrête pas de me gratter. Ouais, le gars il a une conduite perfecte. Aucune erreur. Voilà, le mec c'est un pro de la conduite. Hein.
merde. Allez, on entame le cinquième et dernier tour. Dernier tour, tu peux le faire. Non, je peux pas le faire. Jamais je vais le rattraper. Il va continuer de jouer comme un dieu. Moi, je vais perdre du temps parce que je vais tenter le tout pour le rattraper. Mais en faisant ça, je vais perdre plein de temps. Je le vois pas, mais on le voit, le gars. On le voit, mais il est putain de loin. Voilà, je le vois plus, en fait. Là, il est parti beaucoup trop loin. Non, c'est bon là. Ouais, je pense qu'il a encore grappillé un peu de distance par rapport à moi, mais ça c'est de ma faute, hein. C'est parce que je me suis viandé tout à l'heure. Je prends pas les virages correctement. Alors je sais pas à quelle place j'ai commencé, peut-être quatrième place. La prochaine fois ce sera la troisième. Ouais, c'est ça, un coup tu me vois, un coup tu me vois plus. Un coup tu me vois, un coup tu me vois plus. Deuxième. Punaise. Ouais, ouais, 10-48, hein. 10-48. Moi je suis à 10-57, hein. Punaise. Bon, par contre là j'ai survolé, hein. 165. En fait, il y a juste cette course là où le gars il était hyper chaud. Tu vois, regarde. S-Went. Il a gagné 4 places. Souris. Il a gagné 2 places. Saikyo, il a perdu 5 places. Ah ouais. Lockdown, il a toujours été deuxième. Hop. Ouais, c'était bien chaud. Vas-y, je passe. 31 350 de pognon. On est à 918 250 crédits. Tour puissant. Vous avez débloqué tour puissant. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Abracam. Série suivante. Donc là tu vois, il y avait 6 épreuves. Là, il y en a que 5. Là, il y en a 6. Là, il y en a qu'un. D'accord. Donc là, super sedan. Donc ouais, non, super super berline. Grand circuit de Grand Prix du Kyalami. D'accord. Et là, en vedette, on a quoi? On a ça. 5 5 5 5 et là 1. Okidoki. Bon bah écoutez, sur ce les amis, moi je pense que ouais, on va s'arrêter là, hein. Ça fait 3h50 quasiment qu'on joue à ce jeu. On aura fait 2 championnats. Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte que en 3h50 on a fait que 2 championnats. On a fait performance pratique et construite pour le sport. On a fait 11 courses
en 3h50. Vous avez vu un peu tout ce qu'il y a à faire? Le contenu est assez faramineux, hein. Un contenu un peu sans âme, si je peux me le permettre, mais quand même. Je pense que c'est pas demain la veille qu'on va le finir ce jeu. Bref, allez. Donc comme je l'ai dit, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui en espérant que vous ayez passé une bonne soirée en ma compagnie. Merci à vous d'avoir été présents, pour certains du début à la fin, et certains certaines hein, bien sûr. Et je vais me répéter comme d'hab, hein, mais si c'est pas déjà fait, le petit pouce en l'air. Et y aura la rediff, il y aura la version plus dans l'onglet en direct dans quelques heures. Rendez-vous en fin d'après-midi pour la suite de Assassin's Creed Mirage. Et ce soir à 21h15, qu'est-ce qu'on va faire comme jeu? Je ne sais pas, vous verrez bien. Ce sera la surprise. Peut-être pas sur ce jeu, j'en sais rien. Peut-être, non, on va peut-être changer, on va voir. Peut-être Cyberpunk, peut-être Starfield, peut-être, j'en sais rien. Vous verrez bien, ce sera la surprise. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Bon courage pour ceux qui vont traffer, qui vont traffer, hein. Alors, le mélange de travailler et de taffer. Alors, bon courage pour ceux qui vont taffer. Et puis, à tout à l'heure. Allez, ciao, bye bye.